Semaine numéro 18, bienvenue dans mon espace famille. Cette semaine, on est un petit peu dans tout. C'est-à-dire qu'on retrouve tranquillement nos repères de hiking. On s'est promené beaucoup plus, on est allé prendre plusieurs marches dans le bois. Des bonnes marches, 5-6 km de la chute. Ouais, 5-6 km de la chute. On a fait beaucoup de montées, aussi beaucoup d'ascensions vers des tops de montagne. On a même réussi à se perdre en forêt. On était chanceux, on s'est pas perdu trop loin, mais quand même, on a eu une petite frousse là, parce qu'on était rendu sur le top de la montagne, puis tout avait l'air d'être une trail, donc ouais, donc on revient à un peu nos repères de voyage, en fait, le pourquoi on voyage, donc la plage, la mer, les forêts, Relaxer. ralentir, ouais, je dirais plus ralentir, parce qu'on n'a pas tant relaxé. Ouais. C'est vrai il y a eu des journées où on a vraiment pris ça très smooth, t'as raison, par exemple, pour que les enfants puissent se reposer, se ramener du bon pied, autrement dit. Ils en ont même profité pour faire du golf, aller sur le bord de l'océan. Mais ouais, donc, exemple à cette plage-là, on a vraiment pris le temps de relaxer. Moi, j'ai pris le temps d'écrire, de faire mon workout, de me faire bronzer. Charger les batteries. Ouais, je me fais charger. Moi aussi, je suis un panneau solaire, donc moi, clairement, du moment que le soleil sort, j'en ai besoin. Et les enfants, pendant ce temps-là, ont pu vraiment jouer doucement, tranquillement, à leur rythme, dans les typhoons, donc, qu'il y avait là. On était à l'abri du vent, on était bien. Il y a ça aussi qu'on jongle beaucoup cette semaine, on alterne beaucoup pluie, nuages, vent. Donc, c'est quand même assez froid encore. Ça commence à être le printemps, par contre, parce qu'à la fin de la semaine, là, on a commencé à avoir une différence au niveau des cherry blossoms, donc les cerisiers, les arbres en fleurs que vous allez voir là, en commençant. On a partagé un petit peu là, dans les publications de la semaine. Donc, on commence à avoir plus de fleurs, plus de bourgeons. La nature commence à renaître, mais reste qu'on est sur une île. L'eau Et est froide. l'eau est froide, le fond d'air est froid et la circulation de nuages est très mouvementée et irrégulière. Donc ici, la météo, c'est très dur à prévoir, en tout cas du moins pour l'instant. Il annonce beau, souvent on se fait pogner, il mouille. Il annonce de la pluie, finalement il fait beau. Donc on est allé vraiment avec le rythme de la météo cette semaine. On en a essayé d'aller chercher chaque petit rayon de soleil. C'est ça, de ralentir le rythme. On va vous transmettre aussi, Alexandre s'est beaucoup plus amusé avec le drone aussi cette semaine. Oui. Donc, ça nous permet je vous dirais, à la limite, même de nous voyager à travers nos propres vidéos qu'on vous transmet. Ça donne une autre perspective aussi aux vidéos qu'on vous présente. Puis ça nous fait des vraiment beaux souvenirs, nous, différents. Donc, c'est ça. Là, on est en train de s'ajuster. Vous allez voir aussi l'alternance. On voit un petit peu plus quand il y a du soleil. Les photos sont vraiment différentes. Ouais. La couleur de l'eau est vraiment différente. Donc, j'espère que tranquillement, le beau temps va arriver et qu'on puisse vraiment transmettre la couleur de l'eau parce que l'eau, elle est tellement, tellement claire ici. C'est fou, là. Autant dans l'océan que dans les petites rivières, que dans les étangs, là, à la limite, là, c'est fou. C'est d'une clarté assez. C'est ça. C'est toujours surprenant, en fait, de voir la couleur de l'eau puis la clarté qu'elle a. On en a profité aussi pour revoir des amis que les garçons avaient rencontrés plus tôt dans notre voyage. Donc, ça aussi, ça fait des journées où on alterne de voir des gens, des journées seulement en famille. Ça fait autant du bien de voir des amis que de passer du temps à six. Donc, c'est ça, on est vraiment en train de reprendre, je pense, un équilibre. Je pense c'est ça, un équilibre entre tout ça. Mais oui, cette semaine, on dirait, pas que j'ai moins le goût de jaser, mais on dirait que les images parlent d'elles-mêmes, sont plus zen, c'est plus... Fluide aussi. Oui, plus fluide, mais plus... là, ça, c'est mon arbre sourire. Si vous regardez comme vous, vous voyez un bonhomme sur l'arbre. Ouais, on a pris plus de temps aussi de peut-être jouer avec les garçons. On prend souvent... le temps de se dire, hey, wow, wow, pourquoi qu'on est pressé de même? Faut ralentir, faut se calmer. Puis c'est ça, dans le fond, de vraiment aller, là, go with the flow un peu plus. Et aujourd'hui, on est le vendredi, on est en train de préparer la vidéo pour dimanche. Et aujourd'hui, on a pu enlever nos manteaux dans une randonnée, donc un hike en forêt. Ça me donne une idée, là. Là, on commence tranquillement à avoir plus de chaleur, plus d'agrément.
Donc, et bientôt, on va prendre le ferry. Donc, on commence. On recommencera peut-être avec les manteaux d'hiver, mais bon, pour l'instant, on en profite. On en a profité aussi cette semaine. C'est la première fois qu'on faisait ça, en fait. On est retourné à un endroit qu'on avait déjà vu. Fait. Ouais. On a rencontré une petite limace, une banana limace. Ouais, une banana. Slim, une banana limace, là, une limace banane. Là. Mais, banana slang. Ouais, donc, ouais, ça aussi, ça nous a permis, par exemple, de. Les garçons avaient comme leur repère avec les amis, de nous vraiment juste relaxer, s'asseoir, prendre des prises de vue pour le plaisir, voir les belles montagnes qui étaient beaucoup plus dégagées que ce qu'on avait vu dans, précédemment. Ça aussi, là, les nuages qui sont près des montagnes, l'humidité, tout ça change. On a moins... Ce soir, on célèbre aussi notre première soirée pas de chauffage. Oui. Donc, c'est vraiment... Ça s'en vient. C'est positif, là. Ça s'en vient. Faut pas lâcher. Mais c'est ça. T'sais, on voit que... Puis cet après-midi-là, l'océan était miroir. Là. Ouais. Regardez, il n'y a pas une vague. Ça faisait du bien, ça aussi. Pas de vent. Oui. Ça aussi, c'est un gros défi. Cette semaine, on a eu beaucoup de vent. Beaucoup, beaucoup. Puis comme on vous disait, le vent, il est froid. Donc ça, mais ça ne nous permet pas d'avoir... T'sais, on est là, mais étant donné l'humidité puis le vent, on prend froid assez rapidement. Donc, voilà. On en a pu profiter aussi pour kidnapper quelques enfants et leur mère. Donc, on est allé visiter leur Royal Museum de Victoria, où on parle beaucoup des Premières Nations. Bien sûr, on parle des animaux de la région. Les enfants ont beaucoup apprécié. Ils ont beaucoup aimé ça. Ça nous a fait beaucoup découvrir aussi beaucoup. Je pense que c'était beaucoup les First Nations, là, vraiment les Premières Nations, beaucoup plus axés, essayer de comprendre les différences aussi avec les Premières Nations au niveau du Québec. On voyait quand même certaines différences là, assez marquées. Là. Toutes nos repères sont pas là, t'sais, les dates, les découvertes, le nom des nations, qu'est-ce qui s'est passé? Le nombre de nations aussi, le nombre de langues qui sont parlées en Colombie-Britannique et le nombre de variantes, ça aussi c'est impressionnant. Puis suite au musée, on a décidé, on était vraiment chanceux parce qu'en fait on allait visiter un musée parce qu'il annonçait de la pluie. Bon, comme on avait une réservation obligatoire due au COVID, et bien sûr, ben il mouillait pas finalement, il a pas plu comme c'était prévu. Alors j'ai dit à Alexandre, oh c'est plate, j'aurais voulu aller marcher, le Parlement et tout ça. Puis finalement, quand on est sorti du musée, il faisait quand même assez. Il n'y avait pas de pluie encore, mais c'était nuageux, mais il n'y avait pas de pluie. Donc on en a profité. On a été voir le Parlement de Victoria, le port en bas, vraiment. Tout le downtown. Oui, dans le downtown. Et ça, c'est notre ami Colibri, qui habite avec nous, en fait, au Home Depot. Qui est vraiment, probablement son nid est tout près. Et ce matin-là, il était super proche, il est en avant de l'autobus. Et là, on vous a ralenti l'image pour que vous voyez à quel point c'est de toute beauté les couleurs. Regardez bien, il est complètement vert sur le dessus et tout rose sur le dessous. Donc, c'est tout pour cette semaine. On vous remercie d'être à l'écoute et on vous remercie d'être fidèle depuis maintenant 4 mois. 123 jours quand même, c'est pas rien. Donc, merci d'être avec nous et on se voit la semaine prochaine. Ciao! Bon, Raphaël, leçon de surf 101, c'est ça? Vas-y. De ta propre initiative. Oh my God! Comment tu secoues ça, Raphi? Montre-moi comment tu secoues les tapis. Ah non, avec les deux mains. Ok, tiens, tu peux brasser. Vas-y. Vas-y. Non, non, pas sur le bumper, non. Sur le pneu. Allez. Descends. Ah, that's fine. Hein? Tu voulais rire de... Illégalement. Tu voulais rire de moi, là? C'est à mon tour de rire de toi. Ouais, mais moi, j'ai arrêté de filmer, par exemple, t'as l'air. Pas moi. Ah, ben, je suis bien de même.
Je vais le mettre sur pause. Vas-y, Raffi. Doucement, doucement.